Ce soir ça se passe bien, c'est cool. Il est quelle heure? Ok, on a encore un petit peu de temps. Totalement inattendu, un sort aléatoire à chaque tour, trop sympa, complètement aléatoire, oui, ça pose un problème. Une case de sort contient un sort aléatoire à chaque tour. Allons-y. Dans un joli coffret dédicacé. Ah, oh, trop bien! T'as fini le dernier tome alors, Lucas, je suppose. Félicitations. Bravo, t'en es fier? Je pense que oui. Comme toujours. Ma merveilleuse petite sorcière, tu t'amuses bien? C'est peut-être trop facile. C'est ok, je peux y arriver, ça va aller, aucun problème. Quel optimisme. Au final, vous y passerez tous. C'est le voyage qui compte. Je reçois des messages de soutien, pas vrai? Le public m'apprécie? Pas tout le monde. Pour être honnête, les avis sont assez partagés. Mais tu parviendras peut-être à conquérir tous les cœurs en te donnant vraiment à fond. T'as contacté l'INRIA pour la prévenir, du coup, que... Ah oui, donc ça va être le sort aléatoire à chaque tour. Et mémorisation, ça permet... Remplace le sort de la case par le sort inattendu. Ah oui, de retenir un sort inattendu. Ok. Allons-y. Contacter l'INRIA, c'est elle qui s'organise avec les loots. Brûler un dé. Très bien. Est-ce que je veux mémoriser la brûlure? Pas sûr. Sa place, je l'aurais pas pris le 1 pour 2 points de vie, mais bon. C'est jamais, il sera peut-être à 1 plus tard. J'ai l'un des, obtient un 1. Ça par contre je le mémoriserai bien. Comment ça choisir une case? Ah faut encore que je fasse un... Ah oui, un double. D'accord. Maintenant faut que je fasse un double. J'ai pas envie de remplacer mon chaudron. Faut que je fasse un double 4, 5, 6. C'est pas facile. En attendant, il fait des petits scores donc ça va. Mais bon, au prochain tour il peut... Double 4. Ah mais c'est foudre maintenant. Ah mais c'est bien aussi, foudre. Hop là, vas-y. C'est cadeau. Parfait. On a gagné foudre. Missile magique, il faut un chiffre pair, donc on va le mettre sur un sort impair. On va court-circuiter le robot bot, à mon avis. Si on y arrive. Foudre, c'est un 4. Valeur du dé moins 1, tiens. Hop. Tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. On se heal à la fin du combat, donc tout va bien. Est-ce qu'on veut mémoriser quelque chose? Chaudron. Non, ça va, merci. 5 points de dégâts pour un pair, voilà. Je sais pas trop comment on a fait notre compte pour mémoriser foudre, parce qu'en fait c'est vraiment complexe. Il faut d'abord sortir la mémorisation et ensuite sortir un double. C'est quand même de la chance. Choc électrique, du coup j'en ai pas besoin, donc je vais prendre lumière ardente. Il faut un minimum 4, on va le mettre là pour l'instant. Et là on a quoi? Bouclier magique, je vais pas le prendre. On va garder du dégât pur. Est-ce que on veut pas préparer autre chose que le chaudron maintenant qu'on a des chiffres partout? Par exemple, préparer la mémorisation au cas où il y a quelque chose de chouette. J'ai peur de le regretter, mais on va essayer. Je level up dans 4. Donc, il faut que je tue soit ces deux-là. Je level up, ça me soigne. Non, faut que je tue lui, puis lui. C'est ça. Le pirate. Max 5 sur un 5, c'est réutilisable. Donc on va verrouiller si jamais il fait des 5. Ça me paraît pas mal. On va ouvrir la foudre. Et on va ouvrir lumière ardente. C'est que des trucs à trop de dés, mais au moins on est prêt. Ah.
rouler, je m'en fous totalement. Donc, pas de mémorisation sur rouler. Minimum 4. Donc, ceci. Ça et ça, c'est bien. Et on lui jette tout le reste à la figure. Merci de l'avoir fait, Lucos. Du coup, oui, je te confirme, je pense que ça va vraiment plaire, donc c'est un vrai plaisir. Alors, je récupère la lance magique. Mais lance magique, il faut 2 dés. Donc ça m'intéresse pas trop. Quoique si je le mets à la place de la mémorisation, il faut que je fasse un double 3. Et j'ai pas fait un double 3, j'ai fait un double 4. Donc non. Là, je fais 4 dégâts, je brûle un dé. Non, je vais faire ça et ça, tout simplement. Je suis pas sûre que mémorisation, ça soit fou du coup, maintenant que j'ai foudre. Foudre, c'est cool. Et ben, hall des miroirs à la place de mémorisation, ça me paraît très bien. Voyons voir, comme ça on aura des dés. Ou à la place d'infliction, peut-être plutôt. Allez. On a la foudre et la lumière qui font des dégâts. Là, on se heal à la fin de ce combat. Il faut juste pas mourir. Juste. Octroie un dé impair. Lumière ardente, je sais plus ce qu'il fallait. Il fallait 2 dés, je crois. Foudre, il fallait... Non, c'est foudre, il fallait 2 dés. Lumière ardente, il faut je sais pas quoi, mais... Ça brûle un dé. Pas sûr d'avoir bien joué ce coup là. C'est un tour de mise en place, d'accord? C'est normal. On est aveuglé, c'est tout. Au cas où c'était un 6. 8. Fury, c'est pareil, il faut un double, hein, ça m'intéresse pas. Je pense que je vais dégager la mémorisation. Foudre aussi. Quatre et trois, sept. Hop. Vingt-cinq, zéro absolu. Gèle tous les dés. Je suis pas sûre que ce soit dingue. Pas pourquoi je calcule. Tout va bien. On veut dégazer mémorisation, hein, de toute façon. Casse de sort améliorée, oui, pour le hall des miroirs. Est-ce que ça va mettre ma troisième case améliorée? Oui, c'est ça. Parfait. On veut mettre foudre ici. Non, on va se heal après. Déjà que je commence depuis peu à réfléchir. Réfléchir à faire les mobs dans le bon ordre pour que ça se passe bien quand je récupère le heal. Donc je suis contente. On veut un dé impair? Non, pas trop, on s'en fout. En fait, on va faire ça. Et ça. Jusqu'ici tout va bien. Valeur du dé moins 1, c'est égal. Et il est mort. Et on garde le bonus pour plus tard. Donc c'est très bien. Hop, l'huile. Et là, rouler, furie, clé enchantée, non merci. Hurt, non même pas encore.
Je suis vraiment pas raisonnable, même pas encore Wurt. J'ai pas lancé Don't Starve. En fait, je m'étais demandé si je lançais pas Don't Starve ce soir et finalement j'ai préféré lancer un roguelike. Maximum 4, affaiblit un équipement. Je crois que je vais faire ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Et on va faire du hall des miroirs aussi, ici. Je crois que je vais en mettre. Je vais faire deux halls des miroirs en fait. Et tant pis pour l'affaiblissement. Ou alors. Si c'est ça. Je vais faire un choc, ça ira très bien. Ça me paraît pas mal. Maximum 3, maximum 3. Dommage, c'est des dégâts électriques, il aime pas l'électricité. Du coup, ça lui a fait mal. Je pense que je vais aller tuer la flamèche sans me heal. Comme ça, j'aurai le bonus. Enfin, j'aurai le heal. Obtient 2 au prochain tour. À la place de la mémorisation. Franchement, la mémorisation me sert plus de fou. Donc, pourquoi pas. Trop difficile de mémoriser. La foudre, c'était franchement un coup de bol. Le perso est plutôt bien conçu. Hâte de te voir à l'exercice. Hall des miroirs. Maintenant la question c'est est-ce que je mets 9 et un choc? Je pense que oui. Je sais pas si ça bloque beaucoup. Ou alors est-ce que je mets un... Ouais, je vais faire ça parce que sinon j'ai un dé qui sert à rien. J'ai bien fait. Ah non, remarque, c'était pareil avec les chiffres qu'il a fait, c'est pas grave. Fait perdre 5 points de vie. Ben oui, bien sûr, faisons ça. Je pense que c'est pour faire proc les finaux, mais quand même. Là. Et un autre choc, même si c'est pour 2 points de vie, je me soigne à la fin du combat. Donc... La douleur. Bah, je vais utiliser ça. Ouf, pour de la merde. Le hall des miroirs, c'est gratuit. Ça, c'est gratuit. Ça. Je prends pas les dégâts de flamme là parce que sinon c'est un petit peu juste. C'est bien ce que je disais, c'est un petit peu juste. Et B 4 et 2 qui font 6. Je regrette pas d'avoir pris des dés supplémentaires parce qu'avec les brûlures sinon ça aurait pu être un peu violent. Dédoubleur duplication. Alors si je prends quelque chose, c'est une duplication et je le prends à la place de illumination. Pourquoi pas. Lance magique, non. Ça coûte trop cher. Même si j'ai de quoi mettre en place, j'ai la foudre déjà qui est mise en place. Ouais, c'est bien ça. Waouh. On va commencer par un dé supplémentaire et tant pis pour les autres. Alors le passe-partout, je rappelle qu'il devient de plus en plus puissant. Donc on veut quand même le bloquer assez vite. Enfin le bloquer, le tuer assez vite. Donc je vais pas prendre trop de temps sur le hall des miroirs. Minoration aux dégâts reçus, franchement je dis pas non. On va lui mettre 6 et 4, 10. Regarde juste ce que fait le 6. Je pense que je vais en fait lui brûler son dé. Je sais pas de quoi dupliquer donc. Ça c'est sûr que oui. Et remettre foudre ça sert à rien. Sauf si je veux dégager la lumière ardente.
Je peux faire ça, je peux faire haul les miroirs, foudre et je dégage. Voilà, et comme ça j'ai une foudre améliorée pour deux chocs au prochain tour. Si j'ai assez de dés, c'est pas gagné. Ok, c'est bon. La minoration fait plaisir hein, sur ce mob quand même. Du impair, bah j'en ai pas. Minimum 4 par contre pour brûler un dé, on prend. Foudre, lumière ardente. Il va l'utiliser, je pense, quitte à me taper sur la gueule, c'est ça. Dommage. Dommage pour lui parce que c'est retombé sur un chiffre qu'il avait déjà fait. Donc il m'a fait moins de dégâts. Ça lui apprendra, vilain qu'il est. Bon ça va, ça s'est bien passé, ça aurait pu être pire. Je n'ai jamais été aussi doué. À l'époque où j'étais en concurrent, vous allez gravir les échelons à toute vitesse. Merci. On lit plus l'histoire sur ce jeu au fur et à mesure qu'on avance dessus. Alors, chaudron de verre, gel un dé, obtient un 1. Est-ce que on serait pas content d'avoir un chaudron de verre sur le chaudron? Ça m'obtient un 1. Le problème, c'est que ça me permet de refaire des chaudrons indéfiniment, ce qui n'est pas foufou. Mais je sais pas trop sur quoi le mettre d'autre. Sur la duplication, peut-être. Parce que le gel, c'est quand même un truc, quand ça tombe sur, enfin, quand ça tombe sur des mobs où on a besoin de gel, on est quand même bien content de l'avoir. Donc sachant que je me sers pas beaucoup de duplication, je vais le prendre. Et là c'est la lance toujours. Lance ça demande 2 dés, on ignore. Alors, à la fin de l'étage on level up. Du coup, tant qu'à faire... Bah... Ouais, cette pomme-là, elle servira de toute façon à rien. Bon, on va faire le loup d'abord. Résiste au poison. Par exemple, le loup, max 3, max 3, on va pas lui mettre du gel. Lui, par exemple, non. hop. On va utiliser notre truc parce qu'il a pas mal de vie. Donc on peut y aller. En plus, j'ai besoin de plein de dés. Je peux mettre un hall des miroirs. Alors, je peux faire... Je peux mettre un autre hall des miroirs, c'est-à-dire faire fonctionner celui-là. Et en remettre un que je peux faire fonctionner aussi, mais je perds quand même beaucoup de dégâts. Donc non. Hop. Ensuite, je mets du dégât de choc. Est-ce que je mets autre chose? Un chaudron de verre, on a dit c'est pas utile. Un chaudron tout court peut-être. Un missile magique, certainement. Du coup, je perds un dégât ici. Et j'en gagne 2, donc c'est intéressant. Surtout, j'utilise tous mes dés. Je commence à bien m'en sortir. Quand je suis concentrée, ça se passe pas trop mal. Affaiblir un équipement. Non, je crois qu'on va faire. J'ai plus besoin du hall des miroirs, j'aurais peut-être dû le dégager, mais bon. Fort, hein, quand même.
Je pense que je vais garder ma boule de cristal. Je t'aurai la prochaine fois, vilain. Si tu tombes sur mon petit, pourrais-tu lui rappeler de bien se brosser les dents? Du heal. Merci. Oui. Meuble la foule pour taper deux mobs, ça devrait le faire. Alors lui, par exemple, le chaudron de verre serait utile. Très utile, même. On va faire double hall des miroirs, déjà. Histoire de partir du bon pied. Comme ça, on a plein de dés. Bonne nuit, Heart. Des bisous. Aveuglé sur vous. Chaudron de verre, on a dit. Ça m'a donné un 1. C'est bien le l'aveugle. Donc ça, c'est un 6. Parfait. Ce qu'on peut regarder, du coup, c'est ce que c'est que l'autre. C'est un 1, très bien. Ah bah oui, ça, je le savais. Je suis bête. Un chiffre pair encore. Le gel limite quand même pas mal les dégâts qu'il peut me faire, donc ça c'est cool. Et on commence à avoir pas mal de dés, ce qui est encore plus cool. Chaudron de verre. On lui gèle tous ses dés. Voilà. En fait, ça va. Maintenant, le dynaste. Il faut tenir. Il n'y a pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre heal. J'ai déjà acheté mon heal, donc. Sur le dynaste aussi, je pense que le... Oui, le chaudron de verre va nous être fort utile. La foudre améliorée... Non, le chaudron amélioré par contre, oui. Alors... oui, je veux le chaudron de verre. Mais d'abord... J'ai vraiment pas assez de dés par contre. Je me suis trompée, je voulais équiper l'autre, mais bon, c'est pas grave, on a eu deux gels, c'est bien. Donc, hall des miroirs, je garde. Ça, je suis obligée d'en profiter. Points de vie. Ok, avec la boule de cristal ça devrait passer. Je vérifie. Maximum 3. Ah.
je fais 12. J'ai fait quoi? C'est pas ce que je voulais en tout cas. J'espère que c'est pas grave. Ça a failli très mal se passer, mais c'est bon. C'est la souris qui a lâché au mauvais moment, comme d'hab. Je veux une autre case de sort améliorée, une case de sort préparée. Je pense que je veux un sort préparé. Et imprécation surtout pas. Et je veux préparer quoi? Je veux préparer le chaudron simple. Ouais. Parce que le hall des mille horreurs, je devais en améliorer. Le chaudron de verre. Bah, ça va être selon les mobs qu'on rencontre en fait. Ah, j'ai oublié de retourner à la boutique. C'est pas grave. Genre sur Aurore, par exemple, on est content d'avoir du chaudron de verre. Parce qu'on est content de lui geler ses dés pour qu'elle puisse pas atteindre ses compteurs. Donc, même comme ça, avec les jets qu'elle fait. En plus, elle a amélioré, elle verrouille. Ah non, c'est pas parce qu'elle a amélioré, c'est qu'elle gèle pas, elle verrouille. Ok, tout va bien. Ça pourrait être pas mal de geler quand même du coup. Mais bon, je ne vais pas me priver de 12 de dégâts. Ça serait dommage. Chaudron de verre. J'aimerais bien le mettre chaudron de verre ici en fait. Donc je vais garder mon 3. Je vais révoluer mon 4. Bah oui! Ouais, peut-être toi tu me congèles des dés, tu me verrouilles des dés, mais moi je te les congèle d'abord. Oui, faisons la boule de cristal. J'avais oublié que les roses sont roses, comme dit la chanson. C'est pas grave, ça marche quand même. Voilà ce qui se passe. On a le létal, on s'en rend même pas compte. C'est pas sérieux, ça. Il y a une pomme pourrie quelque part. Oui, voilà. On l'a fait en dernier. Voyons voir, réfléchissons. On l'a fait en dernier pour level up du su. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Alors, allons-y. Sur un squelette, je pense que le gel, c'est toujours quelque chose de bien. Donc, on y va. Un 4, c'est la foudre. Un 3, c'est un chaudron de verre. On va le prendre. C'est la foudre, on s'en fiche. Je pense que là, on veut lui geler ses 3D. On est très content. Ça, il fait pas de dégâts. Voilà, merci. 2. Tout va très bien. Le 2, c'est le hall des miroirs. C'est-à-dire que je le mets à la place de la foudre.
C'est-à-dire qu'à ce tour-ci, je fais pas de dégâts si je pose le L des miroirs. Non, mais je pense qu'avec 3 de... Avec 3 de gel à chaque tour, je suis relativement safe en fait. Il pourra pas me maudire. Il me met 2 dégâts par tour. Tant que je lui en mets plus, ça va. Surtout si je minore, là il va même pas me mettre de dégâts. Donc ça va. 0. Oh, j'aurais dû lui lancer dessus d'ailleurs, je suis bête. Quoi qu'il arrive, sans minoration ou sans bouclier, il me met 2. Mais bon, dans l'ensemble, on s'en tire bien. Ah! Ça revient exactement au même. Oui. La réponse est oui. Non, le gel, c'est bien. Le gel, ça change quand même tout selon les boss. Selon les mobs, plutôt. La pomme papote, d'ailleurs, le gel, ça pourrait être cool. Mais déjà, on va aller faire le rat. Et... ouais. Alors le rat, par contre, je crois que le gel, bof, parce que j'ai pas vérifié. Enfin, je me rappelais pas, mais... Ah si, si, si. Si, si, très bien. Très, très bien. 4, c'est la foudre, je m'en fiche. Par contre, on peut mettre un chaudron ici. Le bouclier, ça ne servira à rien parce que il a du poison. Bon, le choc, par contre, c'est pas fou. Évidemment. Est-ce qu'il récupère pas CD? Ah si, il récupère CD, donc si, quand même. Le choc évite... peut éviter de la, du dégât. Oui. On va continuer avec le gel hein, parce que du coup ça l'empêche de faire quoi que ce soit. Enfin un tour sur 3 en fait. Il va pouvoir me faire des choses un tour sur 3. C'est parfait. Bonne nuit Scran. A plus tard pour le prochain biberon. Okay, ça se passe bien. Et donc là, on va pas prendre les heals, on va aller faire la pomme pote. Avec toujours notre gel. La pomme papote, du coup. Évidemment. J'ai un 3, voilà. J'ai quand même 3 dés à... On va faire un dégât. Je suis pas sûre d'avoir le temps.
Je vais perdre un tour de gel, mais pour avoir un quatrième dé, ça me permettra de jouer mes... ma foudre. Parce qu'avec un dé manquant, je galère avec la foudre. Alors... Ignoration des dégâts, non. On va plutôt taper un peu, parce que... à un moment, ça va commencer à être long quand même. C'est pareil en fait. Je sais pas pourquoi je me tracasse. Ah, j'ai oublié un gel. Ah oui, j'ai pas eu de gel, c'est vrai. Tout va bien. Je level up à la fin hein, du combat, donc je me tracasse pas trop. Tant que je meurs pas, ça va. Charmant. Drainer un point de vie, octroie un dé. Oui. Voilà. Maintenant j'ai des dés, j'ai plus besoin de mon rôle des miroirs, tout va bien. Et il est encore loin de me faire mal. Je garde ma boule de cristal. Au prochain tour, je gagne là. Oui. La réponse est oui. Je peux aussi faire ça quand même. J'essaye de le tuer, mais je sais pas si je vais y arriver. Dommage. 5 dégelés, on sait jamais. Des fois que. Allez, un petit overkill. J'aime beaucoup mon combo là sur la sorcière. Le gel, c'est vraiment trop bien. Alors, là on a quoi? Catastrophe, météore, non. On a du heal mais on s'en fiche, on va sur le boss. Let's go. Awaf, encore elle. Sur Awaf, le gel. Peut-être que le hall des miroirs quand même. Ah oui, mais non, parce qu'il faut des 6. Du coup, le gel. Sachant que je vais avoir plein de dés au début. Un autre combat? Allez, on s'y met. C'est de la merde. Chaudron. Je veux un 3. Merci. Chaudron. De verre. Hall des miroirs. Chiffre pair. On peut geler encore un dé. Par contre, je gèle que 3 dés. C'est déjà ça, mais ça fait que 3 dés. Donc il va quand même falloir taper à un moment. Donc on reste bien sur le... sur le hall des miroirs ici. Que je vais pas taper assez fort avec ce ouf comparé à elle. J'ai l'un des. Je pense que c'est mon dernier hall des miroirs. Foudre.
Est-ce que je remets un chaudron pour geler d'autres dés? Je crois que oui. J'ai bien fait. J'ai bien fait. La foudre améliorée, après, du coup, plutôt efficace. Alors, j'ai pas eu 3. Par contre, je peux faire un chaudron ici. Parfait. Le missile magique, j'ai un chiffre pair, ça va pas m'intéresser, donc on va faire ça. On va lui geler ses deux derniers dés. Je prends un contre-coup de 5. Ah, pas sûr d'avoir envie. Chaudron de verre, chaudron de verre. Non, bah on va faire ça. On va jouer la sécurité. Je pense que là, elle fera pas trop de dégâts. Les dés, ça c'est réglé. Ensuite on transforme le truc en foudre. Je refais un hall des miroirs. Et je mets une foudre pour le prochain tour. Je vais faire ça, je pense. Parce que je le tue pas à ce tour-ci, mais j'aurai un hall des miroirs amélioré au prochain tour. Et à ce tour-ci, elle me met que 3. Donc je pense que c'est pas mal. Ça va, c'est un combat d'usure, mais ça passe. Bon, je sais pas pourquoi je me casse la tête. Hop là. Très bien. La puissance du gel. Sauf si on tombe sur Madison. Si on tombe sur Madison, on a l'air un peu con. Parce qu'elle est immunisée au gel. Je vais devoir me charger de ça moi-même parce que c'est ridicule. Apparemment, le poulpe fait pas du assez bon travail. Tu connais le principe, bien joué, blabla, la retourne, mais oh surprise, tu ne remporteras pas ce dont tu rêves le plus au monde cette fois-ci que d'émotion. Qui pense que ça sent l'arnaque ?